On a testé plus de 20 enceintes Bluetooth ces dernières années et dans cette vidéo, on va vous montrer celles qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix du moment. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. Top 4 JBL Extreme 4. Très robuste, cette enceinte a un design imposant de 2,1 kg, ce qui la rend un peu moins transportable que d'autres. Cependant, elle intègre une sangle bandoulière amovible qui permet de la porter à l'épaule. Elle a une certification IP67, ce qui signifie qu'elle résiste à la poussière et aux immersions d'eau de faible durée. Elle peut donc être utilisée en extérieur sans souci et ses pieds antidérapants lui procurent une bonne stabilité sur les surfaces planes. Les boutons de contrôle sont parfaitement intégrés au design avec des commandes intuitives qui répondent bien aux appuis. Durant nos tests, nous avons bénéficié d'une bonne stabilité de connexion. La connectique n'est pas ultra riche, mais elle comprend tout de même un port USB-C et une connexion Bluetooth multipoint. Le port USB-C permet de recharger l'enceinte, mais aussi de recharger d'autres appareils via l'enceinte grâce à sa fonction de batterie externe. Vous pouvez aussi connecter plusieurs enceintes JBL ensemble pour diffuser un son stéréo. Les fonctionnalités Playtime Boost et AI Sound Boost ont été ajoutées à cette enceinte, mais il en manque également quelques-unes, telles qu'une fonction kit main libre ou un éclairage LED. L'application JBL est quant à elle intuitive et elle offre quelques réglages sonores. Le son de cette enceinte est ultra puissant, avec ses 100 watts de puissance et les 92 décibels que nous avons mesurés sur notre sonomètre. Peu importe le volume d'écoute, l'audio est parfaitement restitué, équilibré, clair et dynamique grâce à la bonne profondeur des basses et aux aigus maîtrisés. Enfin, l'autonomie a été revue à la hausse par rapport à la précédente version, puisque la Extreme 4 tient désormais jusqu'à 24 heures. De plus, grâce à sa fonction de charge rapide, on peut récupérer jusqu'à 2 heures d'écoute en seulement 10 minutes de charge. En conclusion, destinée aux passionnés du son, cette enceinte délivre un audio puissant et qualitatif. Avec sa conception résistante et sa longue autonomie, c'est un excellent modèle pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Top 3 Soundcore Boom 2+. Avec son indice de protection IPX7, elle résiste aux immersions momentanées dans l'eau, mais elle n'est pas résistante à la poussière. Son design lourd et encombrant n'en fait pas l'enceinte la plus nomade du marché, mais elle a tout de même une poignée et une lanière de transport amovible pour la porter en bandoulière. Son design rétro, métallique et robuste intègre 4 pieds antidérapants qui assurent une bonne stabilité lorsqu'elle est posée sur une surface plane. Sa connexion Bluetooth 5.3 est stable et s'appaire facilement. Il y a une entrée auxiliaire pour brancher l'enceinte à un périphérique ainsi qu'un port USB-C pour recharger à la fois l'enceinte et un appareil externe. Durant nos tests, nous avons mesuré un maximum de 92 décibels émis avec notre sonomètre, ce qui signifie qu'elle est ultra puissante grâce à ses 140 watts. Même à un volume élevé, elle conserve une bonne restitution sonore et les distorsions sont rares. Les aigus sont clairs et les basses ont une bonne profondeur. Ces dernières sont d'autant plus généreuses lorsqu'on active le mode Bass Up. Parmi les fonctionnalités de la Boom 2+, il y a le mode PartyCast 2.0 qui permet de la relier à plus de 100 enceintes pour bénéficier d'un son stéréo. Elle est aussi munie d'un éclairage LED qui est désactivable si besoin et vous pouvez personnaliser l'audio et les lumières sur son application. Par contre, il n'y a pas de fonction d'appel main libre. Mis à part l'absence d'assistant vocal, les commandes physiques sont relativement complètes et intuitives. En plus d'être bien placées, elles répondent rapidement, à part le bouton de lecture qui est un peu moins réactif qu'on aurait aimé. Enfin, son autonomie de jusqu'à 20 heures est convaincante et elle se recharge en 3 heures via USB-C. En somme, cette enceinte massive avec éclairage RGB est à la fois puissante et fun. Elle se distingue aussi par sa bonne connectivité et son autonomie élevée. Top 2 Sony XG300. Certifiée IP67, cette enceinte résiste à l'eau et à la poussière. Elle a de jolies finitions, mais avec ses 3 kg, elle est assez lourde.
Heureusement, elle intègre une poignée en silicone pour la transporter. En plus, elle tient bien sur une table grâce à ses deux pieds antidérapants. Lors de nos tests, nous avons apprécié sa bonne stabilité de connexion et sa connectique assez complète. USB-C pour sa propre recharge, auxiliaire pour l'audio filaire et USB-A pour la recharge de périphériques via sa fonction de batterie externe. Il est également possible de la grouper avec d'autres enceintes et elle a une fonction kit main libre pour passer vos appels. Son audio est globalement bien équilibré, riche et puissant, ce qui nous a permis d'apprécier de nombreux styles de musique. Il y a aussi un mode méga basse pour augmenter les basses, même si quelques détails sont encore perfectibles, notamment à bas volume. L'application Sony Music propose des options de personnalisation élaborées pour corriger les imperfections sonores potentielles et il y a plusieurs modes d'éclairage qui donnent un côté divertissant à son design. En ce qui concerne les commandes de cette enceinte, elle a 6 boutons réactifs qui assurent un contrôle complet des fonctionnalités. Enfin, l'autonomie a été impressionnante lors de nos tests, jusqu'à 25 heures avec des réglages normaux ou 15 heures avec le mode méga basse. Pour conclure, presque sans défaut, cette enceinte a une bonne endurance, une qualité sonore convaincante, une connectique intéressante, des commandes réactives et une application intuitive. Top 1. Tribeat Stormbox 2. Compacte et légère, pesant seulement 580 grammes, cette enceinte est nomade par excellence. Elle intègre même une petite lanière qui permet de l'attacher à un sac. Bien conçue, elle dispose de 4 pieds antidérapants sous sa base pour garantir une bonne stabilité lorsqu'elle est posée sur une surface plane. Si elle n'est pas protégée contre la poussière, elle résiste néanmoins aux immersions en eau peu profonde grâce à sa certification IPX7. Pour son prix, elle a une connectique satisfaisante, car en plus de son entrée auxiliaire et de son port USB-C, elle dispose d'une connexion Bluetooth 5.3 multipoint. L'enceinte peut donc être connectée simultanément à deux appareils et elle peut également être associée à une autre enceinte pour obtenir un son stéréo. Côté audio, durant nos tests, nous avons remarqué de légères distorsions à volume élevé. Le son crache un peu et les basses ne sont pas suffisantes, ce qui crée un déséquilibre. Cependant, à volume modéré, la qualité sonore est bien meilleure grâce à la technologie X-Bass et au son surround 360 degrés, même s'il manque un peu de spatialisation. Il y a aussi quelques latences avec le contenu streaming vidéo. La connexion est stable et couvre une grande portée jusqu'à 45 mètres. Les commandes physiques sont quant à elles complètes, intuitives et bien placées. Parmi les autres options de cette enceinte, vous pouvez passer des appels main libre grâce au microphone intégré. L'application Tribeat permet aussi de personnaliser l'audio. En revanche, il n'y a pas de lumière LED. Enfin, la Stormbox 2 a une très bonne autonomie de jusqu'à 24 heures avec un volume à 60% et la technologie X-Bass désactivée. Elle s'éteint automatiquement en cas d'inactivité pendant 15 minutes pour préserver la batterie et elle se recharge en environ 4 heures. En conclusion, cette enceinte est idéale si vous avez un petit budget. On apprécie sa bonne endurance, sa haute qualité de conception ainsi que ses fonctionnalités complètes et son poids léger. Et voilà qui termine notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et à la prochaine sur Selectos.